Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. C'est samedi le 29 août 2020, 5h30, heure du Québec le matin. Bonjour à tous les lève-tôt, à, à tous ces coqs matinaux. Heureux de vous retrouver. Pour ceux qui se lèveront plus tard, ben, j'espère que vous avez bien dormi et que vous allez bien. Je vous ai euh, préparé une euh, petite publication plutôt sur les euh, un lien que j'avais reçu de OC ou José cousin français, je pense d'origine espagnole, sur des prédictions de Nostradamus pour 2021 vraiment intéressantes, qui sont pas farfelues, comme des fois, beaucoup de prédivisions ou prédictions de Nostradamus, hein, vraiment, des fois, un petit peu tirées par les cheveux, c'était vraiment rationnel. Puis dans une de ces prédictions-là, qui était la septième, on parlait des soldats américains qui auront des implants cérébraux. Il y a eu aussi euh, cette histoire d'astéroïdes dans une euh, de ces euh, prédictions-là. Et euh, je vous publiais aussi, ou je vais, je vais vous publier une, une petite publication, une petite vidéo sur le fait qu'il y a cette semaine, je pense, cinq euh, astéroïdes qui sont passés pas trop loin euh, de nous, qui ont été découvertes euh, il y a deux semaines. Donc il y a plein d'objets qui sont peut-être dans notre cour arrière que la NASA ou autre euh, agence spatiale euh, ne connaissent pas. Donc c'était pour le moins surprenant que je vous partage ces prédictions-là et que quelques jours auparavant, on nous parlait, ou non, le même jour, euh, je trouvais cet article sur Strange Chant qui nous parlait de ces, ces astéroïdes qui viennent d'être découverts dans la cour arrière de la Terre qu'on n'avait pas vu encore, on, dont on ne connaissait pas l'existence. Dans cette même euh, série de prédictions, on parle des soldats américains qui auront des implants cérébraux. C'est déjà commencé. Et encore là, ce matin, il y a un article que je viens de trouver qui nous parle de la compagnie d'Elon Musk qui commence à, justement, mettre en branle un programme comme celui-là. Et on va aller voir la nouvelle tout de suite. C'est vraiment, vraiment renversant. Laissez-moi vous trouver ça. Trois petits cochons. Neuralink, hein, qui est l'entreprise de Musk. Mais des puces informatiques dans le cerveau des animaux. 29 août 2020. Donc, ce matin, ça nous vient de Reuters. C'est sous la plume de Tina Bellon. Le start-up neuroscientifique de l'entrepreneur milliardaire Elon Musk, Neuralink, a dévoilé vendredi un cochon nommé Gertrude qui avait une puce informatique de la taille d'une pièce. De monnaie dans son cerveau pendant deux mois, montrant un premier pas vers l'objectif de guérir les maladies humaines avec le même type d'implant. Co-fondé par Tesla Inc. et le PDG de SpaceX, Musk, Elon Musk, hein, en 2016, Neuralink, basé dans la région de la baie de San Francisco, vise à implanter des interfaces cerveau-ordinateur sans fil qui incluent des milliers d'électrodes dans l'organe humain le plus complexe pour aider à guérir les maladies neurologiques telles que la maladie d'Alzheimer, la démence et la colonne vertébrale, blessure au cordon et finalement fusionner l'humanité avec l'intelligence artificielle. Un dispositif implantable peut réellement résoudre ces problèmes, a déclaré Musk lors d'une web-émission vendredi, mentionnant des affections telles que la perte de mémoire, la perte auditive, la dépression et l'insomnie. Musk n'a pas fourni de calendrier pour ces traitements, semblant se retirer des déclarations précédentes selon lesquelles les essais sur l'homme commenceraient d'ici la fin de l'année. Les premiers essais cliniques de Neuralink avec un petit nombre de patients humains viseraient à traiter la paralysie ou la paraplégie, a déclaré le chirurgien en chef de la société, le docteur Matthew McDougall. Des neuroscientifiques non affiliés à la société ont déclaré que la présentation indiquait que Neuralink avait fait de grands progrès mais a averti que des études plus longues étaient nécessaires. Mosk a présenté ce qu'il décrit comme la démo des trois petits cochons. Gertrude, le part avec un, un implant neurolink dans la partie de son cerveau qui contrôle le museau, a nécessité quelques cajoleries de Mosk pour apparaître devant la caméra, mais a finalement commencé à manger sur un tabouret et à renifler de la paille, déclenchant des pointes sur un graphique traçant les neurones de l'animal activés. Musk a déclaré que la société avait trois parts avec deux implants chacun et a également révélé un port qui avait auparavant un implant. Ils étaient en bonne santé, heureux et impossibles à distinguer d'un port normal, a déclaré Musk. Elon Musk a déclaré que la société avait prédit le mouvement des membres d'un part lors d'une course sur tapis roulant à haute précision en utilisant les données d'implants. Mosk a décrit la puce de Neuralink, qui mesure environ 23 mm, soit 0,9 pouces de diamètre, comme un Fitbit dans votre crâne avec de minuscules fils. Je pourrais voir avoir un Neuralink maintenant et vous ne le sauriez pas, a déclaré Mosk. Peut-être que j'en ai un, même. Un commentaire d'un téléspectateur a décrit les animaux comme Cypork! <laughs> Graeme Moffat, chercheur en neurosciences à l'Université de Toronto, a déclaré que le, les progrès de Neuralink étaient des sauts d'un ordre de grandeur au-delà de la science actuelle grâce à la taille, la, la, por la portabilité, la gestion de l'alimentation et les capacités des euh, sans-fil de la nouvelle puce. Le neuroscientifique de l'Université de Stanford, Sergei Stavinsky, a déclaré que la société avait fait des progrès substantiels et impressionnants depuis une première démonstration d'une puce antérieure en juillet 2019. Passer de cela au système entièrement implanté chez plusieurs parts qu'ils ont montré est impressionnant, et je pense, mais vraiment en évidence, les points forts d'une grande équipe multidisciplinaire concentrée sur ce problème, a déclaré Stavinski. Certains euh, chercheurs ont déclaré que des études plus longues seraient nécessaires pour déterminer la longévité de l'appareil. La puce de neuraling pourrait également améliorer la compréhension des maladies neurologiques en lisant la, les ondes cérébrales, a déclaré l'un des scientifiques de la société lors de la présentation. Je veux une petite parenthèse juste pour vous rappeler que Elon Musk a un succès incroyable avec sa voiture Tesla, que son action est rendue à presque 1500 dollars. Hein, c'est le quatrième homme le plus riche au monde. Il contrôle toutes tout, tout les. Euh, il va contrôler euh, le ciel, il va contrôler l'espace avec SpaceX, avec Starlink aussi, hein, son fameux système euh, de satellites pour amener euh, l'Internet partout. Et maintenant, il s'est se ben, déjà lancé dans cette euh, idée hein, de Micropus et de fusionner. <laughs> L'humain et euh, la machine, c'est vraiment, vraiment hallucinant. Elon Musk euh, qui emmène large, mais euh, c'est un homme euh, qui semble dépassé aussi des fois par les événements. Musk a déclaré que l'objectif de l'événement de vendredi était le recrutement, pas la collecte de fonds. Musk a pour tradition de rassembler divers experts pour accélérer considérablement le développement d'innovation auparavant limitées aux laboratoires universitaires notamment les technologies des fusées, des euh, hyperloops et des véhicules électriques par le biais de sociétés telles que Tesla et SpaceX. Neuralink a reçu 158 millions de dollars de financement, dont 100 millions de dollars proviennent de Mosque et emploie environ 100 personnes. Mosque, qui met fréquemment en garde contre les risques de l'intelligence artificielle, a déclaré que la réalisation la plus importante de l'implant au-delà des applications médicales serait une sorte de symbi symbiose intelligence artificielle où vous avez une extension de l'intelligence artificielle de vous-même. De petits appareils qui stimulent électroniquement les nerfs et les ondes cérébrales pour traiter la perte auditive et la maladie de Parkinson sont implantés chez l'homme depuis des décennies. Des essais d'implants cérébraux ont également été menés auprès d'un petit nombre de personnes qui ont perdu le contrôle de leurs fonctions corporelles en raison de lésions du cordon spiralé ou de troubles neurologiques comme les accidents vasculaires cérébraux. Des startups tels que Kernel, Paradromix, euh, et NeuroPace tente également d'exploiter les progrès de la technologie matérielle sans fil et de signalisation pour créer des dispositifs similaires à Neuralink. En outre, le géant des dispositions médicaux, dispositifs pardon, médicaux Medtronic PLC produit des implants cérébraux pour traiter la maladie de Parkinson, les tremblements essentiels et l'épilepsie. Vraiment intéressant. Donc, tout ça peut mener, sait-on jamais, à cette fameuse. Septième prédiction. Et c'est vraiment plus de la fiction. On le voit maintenant. Et quand ça. Là, c'est Elon Musk avec des bonnes intentions, mais on sait très bien que tout ça, comme toutes les autres idées hein, euh, qui naissent avec des bonnes intentions, finissent dans le militaire souvent. Je voulais vous partager, partager ça parce que c'est vraiment renversant que tout ça se passe en même temps. Je vous reviens avec d'autres choses avant d'aller travailler, puis vous retrouvez un petit peu plus tard aujourd'hui.